Avoir installé XBMC, il va falloir le configurer. Tout d'abord, il faut changer la langue et la région et la mettre en français. Je ne sais pas pourquoi le fait de rester en anglais, ça ne marche pas. Donc le mettre en français. Ensuite, vous allez dans Réseau et là, vous allez activer le serveur UPnP. Donc c'est ce serveur-là qui va pouvoir permettre à votre Freebox TV d'avoir accès à votre ordinateur. Ensuite, il faut spécifier les dossiers. Donc vous avez un dossier pour la musique, la vidéo et les images. Donc moi, je vais vous montrer la vidéo. Donc vous allez chercher votre dossier où vous avez vos vidéos. Donc chez moi, c'est dans Séquences. Vous spécifiez juste le dossier. Et voilà. Tout est fait au niveau d'XBMC. Maintenant, la prochaine étape, ça va se retrouver au niveau de la Freebox TV. Voilà.